tesson de verre. Ça, c'est une balle. Elle a traversé le coude, elle est sortie par là. Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, vidéo que vous appréciez particulièrement, les tests de rue, la baston dans la rue avec des inconnus qui vont nous tabasser. On a vu quoi? On a vu les mecs de la boxe anglaise la dernière fois. On a vu Michael Illouz. On a vu Richard Douyeb, donc des grands noms de la self-défense. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite confidence. J'ai ramené quelqu'un. Ça doit être la personne la plus dangereuse que je connaisse. Autant te dire, faut pas le faire chier dans la rue. Hein? Donc, Brice, viens ici, s'il te plaît. Sur l'autre ton. Pardon, messieurs. Autant vous dire que je serais bien moins taquin. Bonjour à tous. Qu'avec mes invités d'habitude. Là, je serais tout mielleux. Ça va, Brice? Comment ça va? Tu vas bien? Tranquille, frérot? Il fait l'humble, mais il me démonte. Dans une cage, je le démonte à 90%. C'est ça, hein? On va dire 100. 100%, ouais. C'est ce que je pensais, mais ouais. Voilà. J'ai pas osé. Je suis objectif. Oui. Par contre, dans la rue, attaquez-vous à moi, mais pas à lui. Voilà. D'ailleurs, Brice, toi, t'as un VPN ou pas? Non. Tu prends la porte, c'est par là. Ah ouais, il fait de la self-défense, il a pas de VPN. NordVPN, les gars, c'est ça le meilleur. Grâce à NordVPN, vous pouvez économiser de l'argent grâce à votre adresse IP qui change. En gros, si tu veux aller à Madrid, eh ben, tu te connectes comme si tu étais à Madrid. Comme ça, le mec, il va pas te dire « Ah, c'est un petit Français, je vais lui doubler le prix. Hein? » Parce que moi, si mon client, il est saoudien, je vais aller en cocoon en vacances. Donc là, 122 euros, 63 euros, 45 euros, parce que les gars ont bien vu que j'étais à Paris, ou en tout cas à côté, en France. Mais grâce à NordVPN, ils pensent que je suis au Mexique, 95 euros, 55 euros, 38 euros. Voilà, j'ai les prix mexicains. Tu ne manques jamais un combat ou un événement sportif à l'étranger grâce à NordVPN. Quand tu vas sur des sites douteux, hop, hop, super protection, ils peuvent pas te capter tes informations. Et si tu te connectes à un Wi-Fi public, tu peux te faire carotter si tu as des cryptos, tes informations bancaires, tes mots de passe ou ça, donc NordVPN, les gars. Et puis d'ailleurs, c'est bientôt les vacances. Je vais partir en vacances. Il faut partir protégé. Méfiez-vous. Hein, on regarde. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Brice? Dans le métro, on vérifie. Et bah, quand tu prends tes bagages pour l'étranger, et bah, tu prends un VPN aussi. Et NordVPN, c'est ce qui te fait de mieux, mon coco. Tu vois, ça, c'est NordVPN. Là-bas, c'est un malware. NordVPN! Vous avez vu, ça marche? Vous venez de le voir. Une prise, hein, on n'a pas triché. NordVPN, c'est plus qu'un VPN. Dans l'abonnement VPN, la protection anti-menace est incluse dans l'abonnement. Abonnement de 2 ans, il y a une promotion en cours. Pas cher du tout, le prix d'un café. Le prix d'un café. Ah, oh, on est bien ou pas? Merci madame, merci monsieur, merci NordVPN. Alors, c'est pas pour faire des turlutes, c'est vraiment quelqu'un de très dangereux. On va pas mettre tout son CV, parce qu'il y a des choses... voilà, c'est pas toujours très joli. Il a l'expérience de fou, du terrain, du concret. Et je suis ravi de le recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour ceux qui nous regardent, s'il te plaît? Bah, tout simplement, Brice, bonjour à tous. Sur l'expérience martiale, tu parles ou de manière générale? Un peu tout. Un peu tout. Donne-leur l'eau à la bouche. Ancien contracteur, j'ai passé plus de 20 ans au service de la France à lutter contre les terreaux et les narcos. Les terroristes et les narcotrafics, hein. Voilà. C'est ça, hein. Plus précisément, les terreaux qui étaient en cheville avec des narcos. Voilà. Bisous au prince. C'est une dédicace. C'est qui ça? C'est un enculé qui a ramené la coke à la tonne. Non mais dis pas ça. Non mais coupez. Moi j'ai pas envie de me faire zigouiller avec tes conneries, hein. Il est mort. Ah bon? Ouais. C'est toi qui... Non. C'est la famille. De quoi? Qui l'a zigouillé? Ah bon? Ah ouais, parce que tout ce qui était en service français, ils n'ont pas pu l'emprisonner puisqu'il était en corps diplomatique. D'accord. Il servait de son Boeing. D'accord. En corps diplomatique. D'accord. Et c'était au cartel de Medellin. Cartel de Medellin. Voilà, avec Ello. Où t'étais? Ouais. Et t'as fait des trucs. Ouais? D'accord. D'accord. Bah là, il m'a mis la bouche sèche, hein, avec ce qu'il a dit. Je sais pas si on le mettra dans la vidéo. C'est un petit peu... Voilà. C'est quelqu'un de dangereux. Moi, je suis un gentil garçon, vous voyez. J'aime les sports de combat. Lui, c'est autre chose. Il est gentil, hein.
Sinon, je n'aurais pas fait venir. Mais c'est quelqu'un de dangereux. Il a l'expérience de la rue. Peut-être pas forcément ce qu'on va faire, mais ma foi. Tu connais mes tests de rue? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est nickel. En plus, toujours des personnes de qualité. Ce qu'on remarque chez chacun, c'est qu'ils sont très très compétents et très humbles. C'est ce qui les caractérise tous. D'accord. Ouais, ouais, je trouve aussi. Qu'est-ce que je t'ai ramené? La matraque mythique. La regarde pas comme ça. T'es sûr que c'est une matraque. Oui, oui, mais tout le monde a fait la blague, donc ça c'est bon. Donc le couteau, tac tac. Et les petits gants, tac tac. Pour faire des simulations aussi réalistes que possible. Ça ne sera pas possible avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est mou. Ouais. Et de fait, on ne peut pas pratiquer toutes les techniques qui sont afférentes au couteau, dans la mesure où la lame est molle, alors que des fois, on vient appuyer dessus. Écoute-moi bien, tu vas faire ce qu'on te dit, ou sinon, on va se retrouver dans un coin, tu vas voir. Tu vas rester ici, je vais chercher un truc. Reste là, reste là. Moi, ce qu'on a l'habitude de faire, donc, c'est les percussions, attaque, ce que tu veux, et puis tu essaies de défendre. Toi, je sais que tu fais du pench axillade, c'est ça? Oui. Donc, école... Le pench axillade, j'ai toujours expliqué que c'était pas le fond de ce qu'on pratique. Le silat sans box pied-point, ça ne sert à rien. D'accord. Le silat, ça sert pour les prises d'initiative ou les coups en traite, t'arrives dans le dos, chic, etc. Et tu triches toujours. D'accord. Mais de front, c'est très compliqué d'utiliser silat. Il faut des bases pied-point, sinon ça ne sert à rien. C'est intéressant. D'ailleurs, tu as fait de la boxe thaï pendant de nombreuses années? Ouais, plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Bon, bah, peut-être que je le défonce à 80%. Du sol aussi? Très peu. Suffisamment pour me sortir des situations compliquées. Ouais. Donc, vous avez vu dans son sourire et ses yeux, c'est des yeux qui parlent, qui ont de l'expérience. Souvent, on le regarde, on peut le voir, on peut voir l'âme des gens dans leurs yeux. Si, voilà. Et quand je regarde Brice, la première fois que je l'ai regardé, je bégayais un petit peu. Là, j'ai un peu plus confiance, entre guillemets, mais voilà. Ça te dit, alors, les frappes? Alors, explique pas le concept. Ce sont des passants ou c'est avec toi? Ah, le concept, bah tu non, t'as vu mes vidéos. Oui. Donc le concept, c'est je donne à des passants. Ouais. Ou des gants, ou la matraque, ou quoi aux caisses. À un moment, ils décident de nous enclencher. Et nous, bien sûr, on va pas les défoncer. Mais il faut bloquer, avoir des réactions appropriées. Frappe sans problème. Toutefois, j'ai vu tes vidéos et j'ai observé que vous aviez à peu près utilisé tous les blocages possibles. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer autre chose. Ouais. Notamment sur tout ce qui sera frappe avec les poings, ce sera plutôt basé sur des esquives. Parce que on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire un blocage ou quoi que ce soit. Bien sûr. Toutefois, je veux pouvoir faire comprendre aux gens qu'il reste encore le choix de l'esquive qui offre des possibilités sympathiques. Alors, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était en boxe anglaise et justement, on avait fait ce travail d'esquive. Je ne l'ai pas vu celle-là, je suis désolé. C'est pas grave, on refera une redite avec ton expérience. Moi, j'en suis ravi. Je vais te suivre. Tu as ça et ça à disposition. Vas-y, t'es le patron et puis moi je suis. Ça marche. Donc okay. Là on cherche des cobayes. On va chercher des cobayes. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est choisi. Hein. On leur met les gants? Ouais, les gants ça sera nickel. Ouais, et puis ils essayent Parce que sur les lames en fait, comme tu le sais très bien, en fait, on pourra rien faire qui soit fonctionnel. Systématiquement, à un moment, on va être touché ou autre. C'est pas grave, au moins je vois. Parce que sur les lames, si quelqu'un attaque avec une lame, on sera obligé de faire très mal pour être efficace. Ouais. Sinon, si on essaie de maintenir l'intégrité de la personne, ça va donner un fail, sûr et certain. Ah, si on. Concrètement, et tu sais très bien, jamais tu laisseras quelqu'un t'approcher à cette distance, sauf si tu as estimé que les premiers coups que tu allais prendre, tu pouvais les encaisser. Ouais. De fait, sur toutes les bases sur lesquelles je vous ai vu travailler, systématiquement, les personnes s'approchent. Oui. Et à cette distance, toi, tu as déjà démarré, moi aussi. Avec une lame, on va être obligé de balancer une percussion qui va être systématiquement... Létale. Pas létale, mais faite pour obtenir du résultat. D'accord. Déjà été menacé à la lame, patate dans la tête, sans tenir compte de la lame, la lame tombe. Ouais. C'est pas du 100%. Ça a marché une fois, ça veut pas dire que ça marchera une deuxième fois. Bon, t'as déjà menacé avec une lame, c'est ça? Et toi, t'as mis la patate? Ouais, lame, ça c'est tesson, toi, tesson de verre, voilà, ici. Ça c'est une balle, elle a traversé le coude, elle est sortie par là. Voilà, ça te pète le bras au passage. Tu fais des blessures un peu partout, on m'a déjà mordu, arraché un bout de peau ici, des choses. J'ai pris 3 balles dans un gilet ici, ça m'a couché net. J'en ai pris 2 dans un porte-plaque ici. Là, tu peux rester debout, c'est comme si tu prenais des coups de pied. Et j'ai pris du calibre 12.
dans le gilet ici. Ça a broyé la plaque anti-trauma. Donc des choses dangereuses, voilà, il n'y a jamais de certitude à 100%. Non, de toute façon, non. Tu n'ignores pas qu'en tombant des fois sur des amateurs, ils mettent des frappes tellement improbables qu'on les prend. Absolument. Alors que sur les angles qu'on connaît sur des boxeurs, c'est un peu plus simple des fois. Ah, je suis d'accord. Contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser. Ouais, ils ont des attaques anarchiques, du coup, t'es pas habitué à ça, moi. Ouais. Donc sur des attaques anarchiques de personnes dont on veut maintenir l'intégrité, c'est compliqué. Mais c'est pas grave. J'aime autant prendre le coup plutôt que de blesser la personne. On va maintenir leur intégrité et puis on va mettre les patates alors. Allez, c'est parti. Go! Donc t'as choisi un quartier sympathique. Oui. De ce côté, là-bas? Bah alors là, on va traverser. Ok. Non loin de Bastille. Oh bah moi... Dites donc, viens voir. Tu me connais? Oui, bien sûr, mais je voulais pas vous dire un mot. Ah bah je t'en prie. Tu peux... T'as 3 minutes? Non, je suis au boulot. T'es au boulot? Ok. Va bosser, frérot. Merci. Bon courage. C'est dommage, belle carrure. Merci. Allez. Allez, je te suis. Bonjour messieurs. Bonjour. On peut vous demander pour une expérience? Au travail aussi? Ouais. Ah bah allez, travaillez. Alors. Ah, des sportifs. Ah, c'est quoi ce petit rire? Mon cousin n'est pas trop bien. Je suis irlandais. Irlandais? Ouais. On est une chaîne d'arts martiaux. The game is you put that, you throw him a punch. And we see if he is able to block or to move his head. Okay, je l'essaierai. Hein? Yes? Cool. Il peut ça. Ah non, of course. No. It's for a famous YouTube channel. Okay. Ah, très bien. Very famous. And of course, he can't hit you. Okay. Of course. Sans les gants. Hop. What's your name, by the way? Carl. Carl. Your ton nom? Greg. Brice. Brice, enchanté. Enchanté, nice to meet you. Ton français est bon? Pas grave. C'est quoi, Irlande? Irlande? Ouais, Irlande. Irish, North Irish of... Republic. South. Ah, ok. Who start? Qui commence? Donc, so I explain you, je t'explique. You stay, tu te mets en face de Brice, you stay in front of Brice. And when you want, you throw one punch. To the head, to the body, anywhere you want, and you have to hit him hard. Attends. Okay, and of course he don't throw you back. Okay. Yeah. So we go here, and the game start now. You can speak to him if you want. Okay. And now c'est parti. Hein. You can enjoy me and fight when you want. Okay. Okay. And now we start. You. Like it was a brawl. Wow. Je suis en colère. What's your problem? J'ai pas de problème. Don't touch me. Touch me. Okay, break. You can do better. Because you chose to do slowly. Okay. You're gonna try harder with me? No. Okay. Il a été super bienveillant. Oui. Donc aucune agressivité. Oui, j'ai vu. Ouais. C'est gentil. Et il essaye quand même. Sympathique ces blocages là, j'ai jamais vu ça. Le blocage croisé. Oui, ça permet d'occuper le centre de manière générale. Ah oui? Ouais. Tu vas me montrer ça après? Si tu veux. J'essaye moi. Maybe. Sympa. Bah, même chose. Même chose, mais okay. Plus agressif. Ouais, plus agressif. Tu vois? Ouais, très bien. Voilà. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je vais la prendre celle-ci. Allez. Ok. Faut y la prendre celle-ci là. Thank you very much. Ouais, faut être concentré. Hein. You were more hard. J'espère que je vais vous aider. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci les gars. Merci. Have a nice day. Au revoir.
quel est le nom de la chaîne Karaté YouTube? Karaté Bushido. Karaté Bushido. Oui. Ok. Je vais chercher. Of course. Tu veux essayer? T'as vu, moi, c'était fun. T'as vu, moi, j'étais pas concentré. Mmh. C'est bien aussi de pas être concentré. Parce que vu que je l'ai fait beaucoup, je me dis, bon, maintenant, ça va aller. Mais il a choisi d'être plus dur avec toi. Ouais. Ça s'est vu directement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est ton gabarit qui fait peur. Donc, d'accord, du coup, ça rend un d'accord peu plus agressif de manière inconsciente. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, moi, je fais n'importe quoi. Hein. Là, j'en ai pris deux dans le bide. Bon, comme je dis souvent, dans le bide, c'est pas trop grave. On est censé être charpenté. Et puis là, on en revient aux attaques anarchiques. Oui. C'était pas très académique, pas du tout. Ouais. Le prochain, je vais me concentrer parce qu'il y en a une qui est passée juste à côté. Il prend la pleine mâchoire. Ouais, concentré le prochain. Je ne sous-estimerai plus mon adversaire. Brice, tu peux me montrer ces blocages là? En fait, c'est juste un accompagnement que tu vas faire au niveau des coups, comme si tu voulais trancher. Tu sais, en silat, on a des choses traditionnelles comme ça. C'est pas lié à de l'esthétisme. Tu vas toujours chercher quelque chose dans ton dos. Donc pendant que tu viens parer un direct, ouais, tu viens chercher une lame dans ton dos. Ah d'accord. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Et cette main ici te permet d'occuper le centre. Ils font ça là? Ah oui. Lame. Ouais. Je prends ma lame et je protège. Tout à fait. Qui plus est, cette main, tu sais qu'elle va te permettre de pouvoir dévier les coups qui viennent de la droite. Ouais. Et sur les coups de la gauche, tu vas pouvoir les balayer dans ce sens. Ok, break. T'es moi? Efficacité. Bon, là, donc si j'envoie là. Là. Un, ici. Même si je le pars sur l'intérieur. Un, ici. Sur les crochets, ça marchera pas. C'est uniquement sur les attaques directes. Sur le crochet va venir. Ouais. Si je mets mes mains ici, vas-y. Ici, ouais. Ok, on est là. Boum. Voilà, c'est un peu en accompagnement. D'accord. Voilà. Mais là, t'as été très soft. Ouais, ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de possibilité de te montrer de manière efficiente. Mais là, t'en as passé quelques-uns. Ouais. Des blocages. Parce qu'en fait, les attaques partaient de bas, donc elles se voient. Puis, sur la lecture paraverbale. Tu veux dire que t'es pas armé? Non. Mais non, en fait, parce que. Si tu te mets en garde, c'est que tu as déjà décidé de démarrer. Mmh. Et ce que je voulais te montrer, c'était autre chose que des blocages. Bien sûr. Mais là, les esquives étaient difficiles. Oui. Parce qu'elles partaient de bas. Donc, exact. Et puis du coup, il attaquait un peu le ventre. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Non. Si les mains sont pas armées, ça n'a pas trop d'affect, sauf s'il faut protéger le foie, c'est tout. Non, très intéressant. J'ai failli prendre une pêche et il m'aurait couché parce qu'il avait de la force quand même. Qu'est-ce que t'en penses des coups au ventre? Parce que blague à part, à chaque fois, je dis c'est pas grave de prendre des coups au corps. Alors, au corps, si Tyson nous a montré que ça fonctionnait, les coups au corps. Oui, mais je l'ai pas vu dans le parc. Ouais. on va dire que on sait très bien que dans la rue, c'est rare de tomber sur des champions. Ouais. Les champions ne cassent pas les couilles, ils s'entraînent. Voilà. Ouais, moi, je casse les couilles, mais pas de la bagarre. Et de fait, à moins de tomber sur quelqu'un qui soit dont ce soit le spécial, on m'a jamais atteint au niveau du tronc. Okay. Sur un combat de taille, en fait, j'ai pris un middle au niveau du foie, mais je suis resté debout. Pourtant, j'étais asphyxié. Ouais. Mais tu sais, les douleurs, plus tu les connais, plus tu peux bien y faire face. Ouais. Et il y en a sur lesquels tu peux résister. Donc, de cette expérience, je fais très attention à mon foie. D'accord. Sur le reste, je suis un peu plus... Je gagne. Heureusement que j'ai gagné. Putain, le prochain, je vais te faire un blocage. Je vais être concentré comme jamais. Là, je suis venu, je suis sorti de ma sieste. Bon, allez, attaque-moi, Jean-Pierre. J'ai failli en prendre plein le nez. Vas-y, le prochain, tu vas voir. Je vais te faire mes blocages tectoniques qui cartonnent de fou. Allez, zo. Monsieur, bonjour. Vous avez vu l'expérience qu'on fait? C'est pour Karaté Bushido. C'est une chaîne d'arts martiaux connue quand même. Non. On va continuer? Eh ben on va continuer. Hein, je pensais qu'il y aurait plus de monde ici. Très joli spot d'ailleurs. Regardez-moi ça, on se croirait au jardin d'Éden. Blague à part. Bon, voilà, c'est pas les vierges qu'on attendrait au jardin d'Éden, là, pour le coup. Mais sinon, c'est magnifique. C'est magnifique. Le jardin est magnifique. Pour le coup, on peut observer qu'il y a un papy qui s'entraîne, ça fait plaisir. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Parce que bon, il a quand même 49 ans. Enfin, quand même, moi j'ai 44 ans, mais c'est dans la tête, on lâche pas l'affaire. Il faut continuer à s'entraîner, à être face à des nouveautés, des expériences qui peuvent être difficiles pour conserver de la testostérone, un mental
de gagnant, non? Ouais, mais pour ça, j'ai trouvé une autre solution, en fait. Tout le monde en parle, ouais. Mais les personnes l'appliquent mal. Ça s'appelle le lâcher prise. Ouais. Hier, tu peux plus rien faire. Demain, c'est hypothétique. Donc aujourd'hui, vis-le à 100%. Voilà. Et sur le reste, lâche prise. Ben voilà, carpe diem, le cercle des poésies disparu. Ouais, mais ça fonctionne bien, ça fonctionne pour tout. Ah, mais moi je suis comme ça, moi j'en ai rien à foutre. Tu sais, un tel te prend la tête, est-ce que tu as un contrôle sur ce qu'il te dit? Non. Est-ce que tu as un contrôle sur ta réponse? Oui. Choisis la réponse que tu souhaites t'accorder. La base du stoïcisme. Agis sur ce que tu peux. J'en sais rien. Agis sur ce que t'as prise. Eh, en gros, c'est ça. Vas-y, j'ai pris des coups dans le ventre, j'ai mal. Mon élocution s'en retrouve perturbée. Bon, viens ici, Brice. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà. Hop, voilà, et au revoir. Mais tu vois, là, il n'y a pas de dangerosité, donc pas d'intention. Bah, on va bouger, on va aller vers Bastille. Allez, go. Par contre, on a laissé nos fringues. Ah, vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. C'est vrai que vu que je l'ai fait beaucoup de fois, je me dis, bon, ça va, je vais y arriver. Et en fait, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et le mec, il était un Irish solide. il a voulu m'allumer. Parce que d'habitude, les gens, parfois, ils sont un peu dilettants. C'est assez rare qu'ils soient dilettants. Et lui, il avait envie. Il a pris sa petite pinte de bière, il était chaud. Là. Oh, les clichés sur les Irlandais qui boivent de l'alcool. Là. Direction Bastille, les zones les plus chaudes de Paris. Peut-être pas à cette heure-ci, mais bon. Les points noirs sont enlevés, normalement. Allez, où? Tout à l'heure, ah. Tu nous prends devant ou derrière? Ouais. J'ai pas aimé le sens de cette phrase. Ouais. Alors, pareil, tout à l'heure, on l'a laissé travailler. C'est une chose qui n'arrivera jamais. Non. Bien sûr. Il commence à t'enchaîner, tu lui sautes à la gueule. Ah, dès le premier. Dès le premier démarrage, c'est... Il n'y a plus de... Même l'intention, tu la sentais? Tu la sens, toi, l'intention? Ouais, l'intention, je la sens. Donc là, il y en avait zéro. Non, mais le mec change, quand il se dit ça, j'y vais. Quand je sais qu'il n'y a plus de discussion possible, j'ai aucune hésitation. Ah bah, tu veux faire le test? Quel test? Tu connais la chaîne? Ouais, bien sûr. Jacques MMA. Ah, voilà. Allez, viens, Baba. C'est le grand. Tu nous tapes. C'est pas sport de combat. Hein. Mais c'est très bien. C'est pas grave. Allez, go. Bon, là, je suis concentré. Je commence parce que là, tout à l'heure, c'est ridicule. Comment tu t'appelles? Quentin, il est bouillant. Bah non, je suis pas du tout bouillant, mais bon. Ça me fait plaisir de te voir, je suis abonné. Merci, frérot, déjà. Enlève-moi cette bague magnifique. Histoire que si tu me la mets dans la gueule, j'ai pas un tatouage tête de mort. Non, alors ça va être les... Allez, chaud, c'est chaud. Hein. Okay. Non, pourquoi pas? Non. Matraque. Pas envie, hein. Pourquoi pas? Donc c'est parti, tu mets un coup de matraque, ce que tu veux. Ça fait mal ou... Non. Ça va me faire mal, mais il faut bien me la mettre. Moi, je te ferai pas mal, ouais. J'ai pas aimé le sens de cette phrase. Là. J'ai enlevé mes lunettes. Tiens. Quand t'as une arme et que tu sais pas t'en servir, elle se retourne contre toi. Alors, là, c'est un grand classique. C'est sur... Donc, casser la distance absolument. Dès qu'il arme son coup, faut rentrer, tu l'enroules. Voilà, j'ai fait doucement, mais normalement, c'est crac. Mais là, tu le prends et... Fout. Attends, lâche. Bah, t'as lâché tout à l'heure. Et tu mets un coup comme ça. C'est correct, Brice? Ouais. J'ajouterais qu'en fait, chaque fois que j'ai été amené à combattre quelqu'un qui avait une barre à mine ou quelque chose, oui. Je l'ai toujours pris dans le bras, quels que soient les ouais, blocages. Ouais, que je... ouais. Parce que les gens raccourcissent la distance. Exactement. Ils font pas... Non, là c'est possible de rentrer. Ils font ça, c'est ça. Exactement. Hein. Et chaque fois, je l'ai pris dans le bras. Et par chance, mon bras n'a pas cassé, mais c'est de la chance. On peut mettre ça sur rien d'autre. Il n'y a pas beaucoup de monde lors d'un dîner qui peut vous dire, vous savez, à chaque fois qu'on m'a attaqué avec une barre à mine, je l'ai bloqué dans le bras. Il raccourcit, exactement. Ouais. Parce qu'en démo, c'est vrai qu'on fait ça. Ah ah. Tu téléphones, voilà. Ou un coup de baguette, hein, par Christophe Bonnefond. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'agresser? Après, vous verrez dans la vidéo, il m'a attrapé les roubignoles. Très bon réflexe de Christophe. Rappelle-moi ton prénom. Quentin. Vous êtes policier ou self-défense? Putain, les gens me prennent tout le temps pour un schmitt. C'est un truc de dingue. C'est pas tout le monde qui se fait agresser avec des barres à vie. Je suis un voyou. Et rigole et tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Ex. On sait pas. Ex-voyou. On sait pas. Ah, voilà. Maintenant, faut que tu l'attaques lui. Okay. Alors, qu'est-ce que tu choisis?
panoplie. Tu veux les frappes, partir sur la même. J'aime bien, ça. Ouais, c'est bien. Hein. J'ai envie de t'attaquer avec aussi. Bah, y a pas de souci. Si. Jamais je ne t'attaquerai, Brice. Jamais je ne t'attaquerai. Mais et si un jour on fait un combat de cage ensemble. Là, toi, t'avais une intention quand tu m'as dit ça, c'était suspect. Et si un jour on fait un combat de cage ensemble, je te donnerai mon bras, je ferai. Fais la clé de bras, Brice. Bravo. Tu es super fort, frérot. Et alors, je peux être lâche parfois. Je me tape avec tout le monde. Parfois, je peux être lâche. Et dans la cage, je peux pas tricher. Je peux rien ramasser. Non ? Ok, frérot. Allez, tu le... Hein ? Tu le défends. Ok ? Je vais faire ce que je peux. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit dans la cage. Vous êtes un sportif, je pense. Non, dans la cage, c'est son domaine. Ah, dans, okay. Dans la cage, je perds. Il y a des règles. Et dehors, il y en a pas. En fait, règle 1, il y a zéro règle. Okay. Ce qui te permettrait de faire la différence entre toi et Greg, en mano à mano, c'est le fait de tricher. Parce que tous les deux, là, comme ça, on serait plié de mano à mano. Donc, obligé de tricher. Ah, contre moi ? Ouais. Obligé. Ah. On va pas rentrer dans les vrais. Oui, oui, oui. Donc, tu débarques quand tu veux. Ok. Voilà, la première tentation, en fait, là, sur le mouvement qu'il vient de faire, ça serait le blocage au niveau du genou. Chose que je vais pas faire, parce que je risque de le blesser. Oui, bah oui. Ouais. On ne brise pas les genoux des gens. Là, dès qu'il démarre, ce sera un écrasant. Ça pète pas les genoux, mais en tout cas, ça stoppe. Mais il va pas te le faire. Hein. Ça fait bizarre, putain. Oh, bien, bien. Ah, il a... Ouais. Oh, bien, bien. Ah, il a... Ouais. Non, tu m'as eu. Ouais, mais tu l'as récupéré à la fin. T'as fait une rotation. À partir du moment où tu l'as récupéré. Ben non, on sait pas l'impact qu'une vraie barre aurait eu sur ma tête. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as eu. Et c'était le fameux coup court dont tu m'as parlé. Non, là, il a fait une petite ruse avec le poignet. Comme ça, rac. Parce que je suis passé à l'intérieur, mais en fait, il a mis une rotation avec le poignet. Ouais. Je l'ai mangé. Et merci, Quentin. De rien. Merci. C'est bon, vous avez plus besoin de moi. Ouais. Tes impressions. Par rapport à quoi? Ben, je sais pas, moi, au kiff. Ben, je suis content de l'avoir eu déjà. Ouais. Visiblement, tu vois. Ouais. Et voilà, ça me fait plaisir de te voir. Et... Bah moi aussi. Tu vas bosser après? Tu retournes bosser? Ouais, je retourne bosser à 17h30. C'est quoi le boulot? Restauration. Ah, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Hein. C'est pourquoi c'est dur? Ouais, les horaires. Ils te niquent la journée? Ouais. Bah là, j'ai 2 heures de pause, mais je suis à 40 minutes de chez moi, donc ah ouais. Ça n'a pas beaucoup de sens. Du coup, tu peux t'entraîner. Merci, Quentin. Bref. Merci infiniment. Ouais. Bah alors, Brice. Alors. Totalement niqué. Voilà. Alors par contre, t'as fait la même sortie que j'ai fait. Bah t'es obligé parce que tu veux désarmer la personne. Avec... Tu vois, ça marche pas. Avec une matraque, c'est que ça. Bah, sinon, c'est percussion. Ouais, c'est ça. Mais hein. Comme on veut pas blesser la personne, voilà. Le seul moyen, je te dis, que je voyais, c'est au moment où il démarre, il rentre, juste le surprendre avec un blocage genou. Franchement, ce coup de pied, j'ai toujours trouvé flingué. Excuse-moi. Hein. Je l'ai placé plein de fois. J'ai jamais cassé de genou. Ouais. Mais par contre, lac. Mais ça permet ça, regarde. Ouais. Non mais. Temps d'arrêt, derrière tu peux dégommer. Bon, c'est ça là. T'obtiens. Bon. Voilà, exactement. Tu viens stopper la personne, j'arrive, je viens pour rentrer, tu me stoppes alors que je m'y attends dans pas. Dans le genou, boum, comme ça. Il y a un micro-moment de sidération qui te permet de rentrer là-dedans. Et ça tu l'as fait plusieurs fois. Ouais, plein de fois. Et dédicace à. Hein. Ça c'est un mec qui va bloquer ma voiture, il est descendu avec une pointe. Ah oui? Ouais. Il avait bloqué toute la rue. Il est venu vers moi. Je lui ai dit reste à distance. Et il est quand même venu. Je lui ai mis 10 jours d'ITT dans sa gueule. Et il a porté plainte. Ouais. J'ai vu récemment une vidéo d'un. Avec une lame? Non, c'était une pointe en acier. J'ai cru que c'était une lame. En fait, il est descendu avec sa main dans sa poche. Il a sorti le plug derrière sa cuisse. Et j'ai vu dernièrement un champion de boxe thaï. Donc je me souviens plus le prénom. Qui se faisait emmerder en voiture. Ouais. Parce qu'il a sorti exactement le truc que j'ai vécu. Et lui, il est parti plainter. Mais c'est exactement comme ça. Maintenant, les gens, ils inversent les trucs. Ouais. Soit ils gagnent. Soit derrière ils portent plainte. Ou ils reviennent à 20. Ouais. Après on s'adapte. Après on s'adapte. Et donc je lui ai mis 2 écrasants quand il est venu. Ça l'a stoppé net. Le gars était un peu plus grand que toi, mais plus fin. Ouais. Moins beau. Ça va sans dire. Et donc sur le moment,
pas de genou pété ni quoi que ce soit. Par contre, le lendemain, comme j'étais en garde à vue, vu qu'il avait porté plainte, il s'est ramené en béquille. Il posait plus la jambe. D'accord. Il posait plus la jambe. Donc, je sais que très bien que les écrasants ne pètent pas les genoux comme ni quoi ça. Que ce soit. Ouais. Encore, on a vu un combat de MMA où le gars le rentrait en sidekick. Ouais. Et le genou est bien parti. Ouais. Mais par contre, c'est pas pour l'efficacité de la percussion, en elle-même. C'est plutôt pour la sidération que ça va créer. D'accord. Sur un mec qui est en train de rentrer. Ouais. Ça stoppe. Net. Ouais, un gabarit comme le tien, je vais rentrer, tu me le places, je suis stoppé. Et cette microseconde. Comme juste ça. Ouais. Bam. Tu vas obtenir ça. Vas-y, même, fais-le même, là, doucement. Je te fais tout doucement. Ouais. Juste ici. Ok. Donc là, c'est un frappé poussé et c'est léger. Si tu fais pleine balle dans le genou, et là, c'est cuisse. Hein. Ouais. C'est pas sur le genou. Frappe, pousse. Frappe, pousse, dégage-moi. Tu vois, là, je travaille mon ancrage en même temps. Frappe, pousse. Là, c'est pas toi qui dois reculer, c'est moi. Non, c'est moi qui dois reculer. C'est toi qui dois reculer. Ouais. Mais je vais pas te frapper. Bah frappe pousse. J'ai peur. Comme voilà, ça. Ah d'accord. Exactement. Sans être déporté sur l'avant. Ouais, mais je. Toi tu viens sortir la manche et tu reviens. Je le connais pas ce coup de pied. Si tu. Je l'ai vu. Je l'ai vu, il lose, il le fait, mais bon. Donc marche très bien pour une suite d'enchaînement derrière. Et le coup tu l'as pris dans la gueule, mais je pense parce que la matraque elle est très légère en fait. Bah, si ça avait été une matraque en acier, peut-être qu'avec l'inertie, on sait pas. Ouais. Donc, je suis venu sur le côté, il y a eu la rotation. Truc, ouais. Je l'ai pris. Ouais, en j'ai plus, vu. Je l'ai pris qu'au mauvais endroit. Hein. Ici, c'est pas la bonne zone. Hein. Bah, moi, je suis un gamin, hein. Ça fait un partout. Hein, parce que le premier, j'ai déconné. Hein. Là, c'était mieux. Alors, je vais voir. Attends, tiens-le, tiens ça. De toute façon, ici, t'as checké le poignet, je peux toujours partir avec le bâton. Boum. Ouais, genou. Boum. Alarme, un grand coup, ça part. Hein. Même sans grand coup, là, fais un demi-tour, un quart de tour de ce côté, ça va partir. Ouais. Non, pas comme ça. Ah si, sec. Regarde, patate. Ah oui. Ça part. Tu le gardes ici, ça va te permettre de checker. Sans me tuer. Yes. Parce que je les connais, les mecs de la self-défense. Attention, hein, doucement. Hein. Sur un check ici. Oh, ouais, je te jure, tu me fais peur. Attends, écoute-moi, Brice. Oui. Je suis gentil. Je sens une intention négative là. Vas-y. Donc on va partir pleine tête ici. Oh, putain. Et retirer. Okay. Ah oui. Ouais. Mais ça nique. Bah ça vient écraser le cervical. Parce que je peux plus reculer. Ouais. Attends, remonte-moi ça. Quelle horreur. C'est toi qui veux le faire. Ah ouais. Donc je te chope ici. Ouais. Tu montes mais tu viens descendre. Hein. Attends. Je tire, bloque. C'est ça? Ah, ça nique là. Ah, c'est bon ça? Ah, d'accord. Ah, les oui, les tu... gens sous-estiment la main ouverte. Moi, je ferme quasiment plus les points parce que ça t'évite de péter. Oui. Ah. Protégor, il m'avait demandé ce que je préférais en système de frappe. Ce serait comme ça, tu vois. Bam! Un gros truc comme ça. Ça. C'est pas moins efficace et tu blesses pas. Ouais, c'est ça. Hein. Et en plus, tu laisses pas de traces. Frappe génitale. Ouais, boum. Eh ben voilà, viens ici pour un test. Non. Moi j'ai rendez-vous là. Viens Baba, en plus t'as le look. Ok frérot, merci frérot. On est ensemble, bah ouais. Les gens m'aiment. C'est ce que tu aimes. Moi aussi je vous aime déjà. Hein. Tous les messages d'amour que je reçois, c'est super sympa. Super sympa. Tiens, qu'est-ce que j'ai reçu tout à l'heure? Il y a des mots souvent, on n'en a rien à cirer, mais bon. Attends, regarde pas ce que je regarde. Non, toi. Ça, c'est un sexto. Franchement, YouTube, je pensais que ça m'aurait amené des gonzesses. Rien du tout, frère. Message inutile, comme tu en reçois certainement des centaines, mais je tenais à te remercier. Je suis handicapé, je ne peux malheureusement pas pratiquer de sport. Mais grâce à tes vidéos, je peux m'évader un peu et oublier ma condition. Alors, un énorme merci pour le travail que tu fournis. Je te souhaite le meilleur à toi ainsi qu'à tes proches. Que Dieu te garde. Alhamdoulilah. Ben, ça, c'est moi qui le dis. Merci, frérot. Très gentil. C'est pour ce genre de message que je fais ça. Pour le pognon aussi ? Arrête ! Par contre, concernant le handicap, oui, c'est une erreur de penser qu'un handicap peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors, un handicap peut t'empêcher de faire des choses, mais effectivement, si tu n'as plus de jambes, bah, deviens un grand écrivain, un poète célèbre ou un grand joueur de poker. Ouais, en fait, tu n'as pas à chercher de l'efficience surtout. Non. Si tu n'as plus de jambes, tu t'éclates au judo, au sol ou quoi que ce soit, fonce. On ne te demande pas d'être un guerrier ou quoi que ce soit. Notre ami Nicolas Plessis, hein, je crois que c'est comme ça, bah, qui est non-voyant et qui combat. On a un autre gars qui est non-voyant au club et vient au Jiu-Jitsu brésilien. Hein. Donc big up à toi. Bah, pourquoi je lui fais coucou?
Puis ce qui est bien, c'est que les gens me reconnaissent. Du coup, j'ai pas besoin de supplier mille ans les gens. Hop, ça va? Tu me connais? Ouais. Ben voilà. Allez, c'est le grand jour. C'est ton jour. Ben, c'est magnifique. Tout le monde me connaît maintenant. Donc, pour faire ces tests, c'est parfait. Malheureusement, c'est jamais la petite Cindy avec des qui me reconnaît. T'as quel âge toi d'ailleurs? 20 ans. T'es prêt à me cogner? Tu connais le principe? Je vais le cogner. Tu me cognes aussi fort que tu peux, c'est de me mettre KO. Et puis moi, je vais bloquer. Okay. Enlève-moi tes bagouses, s'il te plaît. Je les enlève? Ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Et puis après, tu feras ça avec mon ami. Je vais commencer. On a un client. On a un client. Qui s'appelle Mathieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mathieu. Mathieu, 20 ans. Voilà. Futur belle bête. Je sais pas. Donc, tu connais le principe? Cogner, c'est tout. Faut que tu me défendes. Ah bah, bravo. Cogner, c'est tout. Ah, bah, c'est déjà pas mal. Tu pratiques? Ah non, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait. D'accord. Bah non. Tiens, mets-les pour voir. Tu regardes comment il les met. Bon, tu fais pas de MMA. Non, je fais pas MMA. Oh, t'es devenu sérieux d'un coup. Ah, je fais pas de MMA. Un jour, on va tomber sur Cheikh Kongo, mon frère. Je vais voir Cheikh Kongo, je vais passer, je vais faire... Lui, oh non, lui non. Très bon non, non, script. Lui non. Il a fait bonjour. Ah bah c'est très gentil. Philippe. Salut Philippe. Dédicace à Philippe. Mais comment voulez-vous que je sois concentré aussi? Alors faut que tu t'énerves un petit peu. Ok. Et puis tu frappes. Le droit de bouger et tout. Tu fais ce que tu veux. Là maintenant je commence, c'est bon. Voilà. Pourquoi le corps? Pourquoi le corps? Frappez-moi dans la gueule, un truc. Okay, okay. C'est bon ou... Ah c'est bon, vas-y. Je suis prêt. Bien. Attends, voilà. Je vais pas te faire tomber. Ouais. Monsieur Box. Tu fais quoi de l'anglaise? Ouais, de l'anglaise. Pardon. Regardez. Oh oui. Bon. Ah ben non, tu vas faire ça avec mon ami. Belle technique, putain, il a fait ce que j'ai appris à mes élèves l'autre jour. Boum. C'est ce Canelo, moi. C'est... Ah oui. Il y en a un qui était un spécialiste de ça, il s'appelait Samat Payakaroun. À chaque fois, j'ai pris plein de trucs de lui sur tout ce qui était boxe. Ouais. Parce que le mec était fantastique. Il faisait des rues, ça part d'un côté, on peut pour rentrer à l'intérieur. J'aime bien. Que des diversions. J'aime bien. Ça s'appelle construire une partie d'échecs. Oui. Et chaque combat, c'est ça en fait. Un, deux, et puis toi, tu es un peu en bas. Bah, vous voyez qu'en anglaise, c'est sûr, on aime bien travailler au corps pour faire baisser la garde. Boum. Après, dans la rue, ça s'y prête moins. Ouais, ben là, je savais en plus que c'est chaud d'essayer de rentrer. En plus, tu protèges bien la tête. Donc, Oui, c'est ça. En fait, même dans la rue, tu peux programmer quelqu'un. Vas-y, explique-nous. Bah, comme en combat. En combat, quand tu veux frapper en haut, tu vas faire des frappes répétées au même endroit qui vont créer de la douleur. Et systématiquement, quand tu vas faire un ancrage pour frapper au même endroit, ça te laisse la porte ouverte pour un autre endroit. Bien sûr. Donc, tu peux programmer des gens en combat comme dans la rue. Ça se fait beaucoup plus au sol, où tu as beaucoup plus de temps de réfléchir. Alors qu'en action de percussion, c'est plus dur. Ça va plus vite. Ah, en boxe, ils le font beaucoup. Hein. Oui. En construction, exemple, si pas en rue, je te parle. Ah ok. Ah ouais, en rue, ça va plus vite. Ça va vite. Ça va plus vite, mais tu peux faire des ancrages si ça dure un peu. Ouais. C'est pas forcément des combats de 10 secondes. Bien. Alors, donc contre un mec d'anglaise, hein, bon, on voit doucement. Donc casser la distance, on voit. Hop, ici. Donc rapprocher, tourner, et après on arrache, hein, c'est classique. On isole le bras, on tourne. Bah là on fait doucement mais et puis on le plante hein. Mais maintenant tu vas faire avec ça avec mon ami Brice. Même chose. Voilà, donc moi c'est plutôt sport de combat, lui c'est plutôt self-défense. Okay. Tu fais la même chose. Et voilà, on pense à frapper fort, pas trop construire.
plus agressif street, tu vois. Okay, comme tu ferais si le mec il avait embrouillé ta meuf et tout, tu vois. Okay. C'est quand tu veux, mon frérot. Là, l'exercice est parti. C'est, vous pouvez vous parler un peu, attends. On peut se parler un petit peu aussi. Hein. Attends, les démarre direct. Démarre quand tu veux. Ah bien, ces blocages. Ok, break. Ah, je sentais les yeux. Non, en fait, ça part derrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu viens chercher la tête? Là, je me suis senti partir. Comment? Ah oui, comme si. Ah, il est... C'est un diable, celui-là. C'est un diable. Vas-y, refais ce que doucement. Là, on peut pas faire une clé d'épaule parce que si le mec est puissant, ça va pas marcher. Ah, par contre, on peut revenir en arrière. Ah oui, putain. Balancer. Ah, vas-y. Ah, mais tu me le niques. Vas-y, doucement. Ah, mais quelle horreur. Ici. Ok. Ah oui. Sachant que là, je mets pas de. Il est bon. Eh, hey, c'est une des premières fois où on voit les techniques de self-défense s'appliquer en situation réelle. C'est pas une situation réelle, il est bienveillant. Ouais, mais mais bon, il a essayé de te frapper, t'es rentré, puis après t'as appliqué tout de suite. Vas-y, c'est sur un coup comme ça par exemple. Oh, c'est... Oh, je suis là, je mange déjà, elle est reparti. Mais ouais, boum. Ok. Ici. Dès lors qu'on est ici, on peut. Soit je viens chercher avec une main, je en place. Ah oui. Ici. Okay. Soit je viens chercher avec l'autre. Tu vas frapper, c'est ça? Sachant, si je veux passer à la tête, en fait, je vais passer génital. Ah ouais. Quelle horreur. Ok. Mais l'autre était déjà en place. Donc ça sert à rien. Là, t'aurais pu le tuer presque? Non. Presque. Non, mais en fait. Mais je me suis vraiment senti partir en arrière. Si tu forçais un peu, je partais direct. Je sais. Je pense que t'as reconnu mes techniques un peu des MMA, tout ça, de corps à corps. Qu'est-ce que t'as ressenti? Quelle différence t'as ressenti? Vous m'avez tous les deux accroché assez vite. Oui, parce qu'on ne pouvait pas te frapper du coup. Ça, mais beaucoup plus de blocage. Ça allait beaucoup plus vite au niveau des bras. Ouais, hein, t'as vu? Tac, tac. Tac. Par contre, des choses que je fais jamais, c'est me défendre en reculant. Ouais. Mais comme là, on peut pas répondre. Ouais. Parce que tu as vu? L'angle. Je défends en reculant, j'ai l'angle. Tu tombes. Oui. Bah dans la rue, on se prend un trottoir, c'est ça? Ouais, il faut plutôt sortir de l'axe, comme on fait sur, sur un ring. Mais là, c'est le côté perturbant, c'est de ne pas pouvoir rendre les coups. Oui. Ah oui. Mais félicitations. C'est bien. Belle énergie. Combien d'années de boxe anglaise? 3-4. Ah, c'est correct. Des petits combats, t'en as fait? Non, pas trop mal. Ah, il faut, hein. Ça, c'est important. C'est cool, ça serait pas mal. Ça, dans les sports de combat, de percussion, on commence à te respecter quand tu fais un combat au KO, même si tu le perds. Donc là, c'est une autre forme de respect. C'est vrai, hein, c'est un peu comme une initiation. Ouais. En plus, tu boxes souple. Tu m'as touché, mais c'est arrivé de manière souple. Ouais, c'est propre. Merci pour ta bienveillance. Merci Mathieu. Merci. Bravo. Sympa. T'as vu le truc là? Oh là, c'est une belle énergie. Quelle horreur. Là, c'est un découpeur. Je vous ai ramené un découpeur, les mecs. En fait, tu sais que je sais que tu n'y crois pas un seul instant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bah, c'est bon pour vous? Oui, merci Mathieu. Ils vont te faire signer un truc après. Ok, pas de soucis. Merci frérot. Alors, c'est pas que j'y crois pas, c'est que tu le montres. Donc, quand tu le vois, tu le crois. Je suis comme saint Thomas d'Aquin. Je ne crois que ce que je vois. Je sais plus si c'est saint Thomas ou saint Thomas d'Aquin. Mais les gens se trompent. Mais si tu montres et que c'est effectif, ok. Après, si c'est sur un mec qui est un bout de bois, qui bouge pas, ah oui, là, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Mais là, il vous a fait 1, 2, 3, 4, 5, 8, et c'est passé. Et je crois qu'on n'a jamais vu ça sur Karaté Bushido. Moi, j'avais été impressionné par Mehdi. Hein, salut Mehdi, j'espère que ta main va mieux. Mehdi? Ouais. Super fort. Ouais, t'as vu le Wing Chun? En fait, c'est les formes du sud-est asiatique. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, mais il le fait avec beaucoup plus de talent. C'est un athlète, Mehdi. Non, super. Et il m'avait impressionné par ses techniques de kung-fu appliquées au combat. Moi, c'est la chaîne, c'est ça. Hein. Salut Mathieu. J'ai regretté, j'aurais dû être là, c'est quand vous êtes venu avec les armes. Oui, c'était sympa aussi. J'ai eu un souci de santé. Ça fait que Mika vous a reçu tous les deux. Oui. Mais sinon, on en est déjà prévu, on voulait vous déboîter. Ah bon? Ah bah ouais. Me déboîter moi? Bah, je voulais le refaire, tu vois. Flingue contre homme. Là, je. Nous deux contre vous deux. Alors, tu sais quoi? Moi, j'ai une idée de vidéo, de toute façon, deux contre deux. C'était quoi le... Vous étiez à deux contre Mika avec un flingue. Ouais, et là, c'était quoi? C'est quoi que tu veux faire?
ce que tu veux. Mais c'était avec les flingues, c'était nickel. Ah, deux contre deux? Bah, moi et Mehdi contre vous deux? Si j'ai un flingue. Ah oui, avec un flingue, oui. Si j'ai un flingue. Bon, mieux. Ah ben, si. Oui. Et ouais. Et si j'ai un tank Non, parce que le flingue requiert beaucoup de technique. Bah, évidemment qu'il y a de la technique. Ouais. Si t'as un flingue et que je suis à côté, tu verras que ça va réclamer de la technique. On peut inverser. Moi, ce que je sais, c'est. Vous avez fait couteau-flingue, je crois. Oui, non, flingue. Mais on en fera. Si vous voulez revoir Brice, déjà, vous le mettez en commentaire, vous nous mettez des pouces bleus. Ça nous signifie que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ce que j'ai vu, c'est fantastique. Il nous a fait plein de blocages chelous, là. Bah, je ne connais pas, c'est pas ce que je fais. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné tout à l'heure. C'est super. Et là, en plus du corps à corps, je vous ai dit que je vous avais pas ramené un guignol. C'est gentil. Magnifique. Donc moi, j'avais déjà prévu de faire une vidéo 2 contre 2. J'aurais bien voulu 1 contre 3 aussi avec des copains. Moi contre des amis, mais qui ne savent pas en faire, parce que sinon je suis mort. Ouais. C'est sûr. Moi, ce que je veux, c'est que dans les commentaires, déjà, vous remerciez Brice pour ce qu'il nous a démontré. C'est de la self-défense appliquée. C'est super. Je n'avais jamais vu ça. Donc bravo à toi. Merci infiniment. Voilà. Et comme il vous a dit, c'est quelqu'un qui fait la self-défense et les sports de combat. Donc 15 ans de boxe thaï, combien de combats en boxe thaï? En pro, 17. Ouais, 17, ah oui. Donc c'est pas un guignol, il a fait des trucs de fou. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux internautes, à ceux qui nous regardent? Puisqu'on est sur tout ce qui est self, j'ai envie de dire que l'ego est très mauvais conseiller. Donc actuellement, il y a un vent de violence qui va être montant et qu'on sent prégnant. Les histoires pour des cigarettes, un regard, tout ça, laissez tomber. Rentrez chez vous safe. Pratiquez des choses fun. Et c'est comme ça que la vie se passera le mieux. Bon, le problème, c'est que ceux qui te tabassent pour une cigarette ou un regard, c'est une excuse. On le sait. C'est... Mais tu les vois venir. Si tu fais ton environnement, tu les vois venir. Ouais. Tu scannes. Par contre, quand tu es dans un métro tout seul. Alors mais en fait, tu rentres dans une rame, tu vois qu'il y a le bordel et tu repères déjà la tête, tu sors de la rame. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. La prévention avant tout. Faire son environnement. C'est la base de la self-défense. Et tu le pratiques systématiquement. Tu regardes toujours ce qui t'environne. Bien sûr. Si tu vois que si t'es avec des proches et que tu vas dans un café et que tu sens pas, si tu sens pas, vaut mieux aller ailleurs. Voilà, point barre. C'est ce que je fais aussi. C'est du bon sens, voilà. Ouais. J'étais ravi de te recevoir, Brice. Merci beaucoup. C'est moi. Vous mettez un pouce bleu, vous abonnez à la chaîne. T'as un Instagram, un Facebook? Ouais, Instagram, c'est Brice Penchaxila de Bruce. Voilà. Donc, allez le soutenir. Vous lui envoyez plein de bonheur. Si vous voulez le revoir, vous nous le signifiez dans les commentaires. Moi, j'étais ravi de te revoir encore. Je vous dis à bientôt. C'est toujours un plaisir. Pour une prochaine bagarre, ça va être chaud ce qui va venir. Vous allez kiffer. À bientôt, les gars. Boum!